Ah là là. Ah mince. Hop, bloquer les roues. Oui, normalement, ça va être tout bon. Le temps de remettre le setup. J'ai oublié mes chaussettes. Ah. Vas-y, prends tes chaussettes. C'est bon ? Merci. J'ai changé de polo. Ah, attendez, j'ai absolument plus de son. Tic, c'est là. 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 Normalement. C'est bon, je vais avoir du son. C'est tout bon. Donc bonjour tout le monde, de retour. Et nous avons Moko, Moko80 qui se réabonne pour la sixième fois, 6 mois de soutien. Merci beaucoup Moko, des bisous et bim. Et bim le ressum, merci beaucoup, c'est très très gentil. Ah là là, mais je viens de voir le dernier dindon, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et Fisher Hendrick qui se réabonne pour la cinquième fois, 5 mois qui passent bien vite, en la meilleure des compagnies, merci beaucoup, des bisous à toi, et bim le resub, et bim le dindon de folie, merci beaucoup, c'est adorable Jake, ça aide énormément, merci beaucoup. Un an que je te suis, je t'avais dit un don pour ton, maman, j'ai pas vu la fin du message, t'as pu lire en entier toi le message, maudit? Ok, attendez, moi je vais quand même aller voir parce que c'est quand même extrêmement généreux et extrêmement gentil. De quoi? D'accord. Ah, d'accord, bah c'est très très gentil, merci beaucoup. Mais je vais quand même regarder, me voilà de retour depuis quelques jours sur tes lives, plus d'un an que je te suis, j'avais dit un don pour ton anniv l'an dernier, donc voilà avec les intérêts, Craigasme, merci beaucoup, c'est adorable. Ok, ok, j'en suis où? J'en suis là. Tu te souviens de Pikachu Catcher? Ohé, ohé, bien sûr que je m'en souviens, bien sûr, tu connais le tableau qui tourne en ce moment avec les pourcentages? Pas du tout, je sais pas du tout de quoi tu parles. Mais ça m'intéresse potentiellement, je vais remettre le micro correctement comme si c'était pour moi. Et ça devrait être beaucoup mieux. Question 1 giga de 4G pour jouer à Pokémon Go, ça passe. Ça dépend, tu joueras pas 7 heures par jour tout le mois, mais tu auras quand même moyen de... Je crois que c'est 10... Non, c'est combien de l'heure? 10 mégas de l'heure? J'ai oublié. 10 mégas de l'heure, je crois. Je suis nouveau sur ta chaîne, bah salut, Megatheu. Je sais pas comment on le dit. En tout cas, bienvenue à toi. Salut Coloscopy. Créer le trunk du futur derrière toi est juste énorme. Il est magnifique, hein. Il est magnifique. Alors, c'est un fond vert, c'est-à-dire que c'est pas un vrai fond. Mais par contre, c'est une photo de mon salon. Donc, il est dans mon salon, le trunk du futur. Mais il est magnifique. Il est magnifique. En plus, il est pas très cher. C'est la connexion des Masterpiece, c'est ça? C'est une 30aine d'euros la figurine pour une grande figurine. Pour ceux qui ont l'habitude des figurines, ça reste des prix qui sont... c'est quand même 30 euros, mais ça reste des prix qui sont pas énormes pour le prix des figurines détaillées. Est-ce que tu as eu le temps de regarder mon MP pour le script? Oui, je t'ai remercié tout à l'heure, Glev. Tu n'as pas dû entendre, tu n'étais peut-être pas devant. J'ai juste dit que j'ai pas eu le temps, j'ai juste vu qu'il y était là. Mais on est extrêmement en galère niveau temps. Du coup, je m'en suis pas du tout occupé. Pour le live vendredi d'aventure, vendredi prochain, Maillard redevient MJ ou ça sera l'un de vous quatre? Non, ce sera Maillard normalement. Salut Jordanx. J'ai reçu un message privé. Ah bon? Alors, on va voir ça. Non. Alors, le message de qui, Maudit? J'entends pas. Philou. Alors, on va voir. Ah, Philou, d'accord. Oui, c'est exactement... Ok, ok. Il me propose exactement ce que j'ai eu au téléphone. Ok, d'accord. Bah, c'est très gentil. C'est très très gentil. Mais oui, c'est ce que j'avais vu. Je pense qu'on t'a posé la question 50 fois, mais quand la version va sortir de vrai, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. On peut quand même rester sur la fausse. Oui, ça sera. Et un dindon de Nexus Gaming Twitch. Tiens, paye-toi un café de ma part. Merci beaucoup. Je prendrai un thé si ça te dérange pas plutôt. Merci beaucoup. C'est très gentil. Non, on sait pas pour la sortie, on pensait que c'était mardi, puis on pensait que c'était jeudi, puis on pensait que c'était aujourd'hui, que ça allait sortir en même temps que le Japon. On n'en sait rien. Tu as combien de Pokémon sur les 150? 80. J'en suis à 80. Oui, je n'étais pas présent, pardon. Oh, bah, t'excuses pas. Besoin n'est pas à me faire un retour si bug ou besoin de modification. J'ai harcelé toute la journée rue du commerce car ils m'ont spam de plus de 3100 mails. 3100 mails? Ah oui, quand même. Joli, joli, joli. Et salut des Nexus. Salut Crane, je t'ai envoyé un lien, une messagerie Twitch avec un site qui regroupe tous les outils pour Pokémon Go. Il est génial, si tu peux le faire tourner pour tout le monde. Alors tout de suite maintenant non, parce que faudra que j'aille voir les... Avant de faire tourner, faudra que j'aille voir ce que c'est un petit peu que ces liens. Mais après pour la suite, avec grand plaisir, merci bien.
Salut Kenshin. Sache que Crane aime bien parler avec le chat aussi, donc il va pas lancer le jeu tout de suite. Surtout que là, du coup, je sais pas trop ce qu'on va faire. Tu as combien de kilomètres maintenant? Je sais pas, j'ai pas du tout pris les téléphones. J'ai pas dû faire beaucoup aujourd'hui. Avec tous ces bugs. Change le tag. On va passer en gaming talk show à la limite. Hop. Voilà. Hop. Alors, on va mettre de retour de Pokémon Go. Pokémon Go. Hop. Voilà. Ouais, j'ai fait que 6 km. Déjà pas mal, vous me direz, mais que 6 km, c'est beaucoup moins que d'habitude. Pokémon Go sort quand sur iOS en français? Aucune idée, aucune idée. L'épisode 407 de Skyrim m'appelle. Ah là là. Te démoralise pas, je vais essayer, Mister Le. C'est pas toujours facile, mais je vais essayer. C'était pas ma question, mais c'est pas grave. Mince, c'est pas ça, Chargaming. J'ai loupé quelque chose. On peut quand même rester sur la fosse. Oui, oui, tu peux rester sur la fosse. La fosse, c'est la vraie, en fait, mais juste pas... T'es sur le vrai serveur. Tu joues exactement de la véritable façon. Alors ça, c'est bon. C'est possible d'avoir Tauros, Kangourex ou Canartichaud en 9 étant en Europe? Je crois que oui. Hein. Quelqu'un a déjà eu Kangourex ici, donc je sais... Ah, mais je sais pas où il était. Donc je sais pas du tout. Salut Crane, qu'as-tu capturé de nouveau aujourd'hui? Alors qu'est-ce qu'on a eu de nouveau aujourd'hui? Un Hippotrempe, c'est ça l'évolution? Et un Papillusion, mais que j'ai fait moi-même. Un quoi? Ah non, c'est Hippocéan. Hippocéan, c'est le nom de l'évolution. Donc Hippocéan, un Papillusion que j'ai fait moi-même, un Nidorina et un... C'est quoi l'évolution de Nidoran mâle? Bah Nidorino, voilà. Nidorino, Nidorina, Papillusion... Et donc l'Hippocéan. Voilà. Pour une petite sortie, ça reste honnête. Crane qui en a marre de mes poèmes incompris. Salut Elenouille du coup. Comment va Maudie? Bah elle va bien. Elle va bien, elle va bien. On n'a pas assez live pour qu'elle soit au bord du décès, je pense. Ah, elle me dit oui, je suis bien. J'allais sur le... Que tu aimais bien dessiner, c'est ça? D'accord, bah elle aimait bien dessiner. C'est gentil. C'est gentil de lui avoir tenu compagnie et d'avoir fait semblant de trouver ça joli. Vous êtes adorable. Crane, tu peux faire un Choice Chamber en exclu avant le sub goal 750? Bah non, c'est pour le 750 du coup. C'est pour le 750. D'ailleurs, attends, on est à 738. Ça se rapproche. Mais sauf que un même XSplit, il fonctionne plus. Il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est tout cassé. Hop, 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 hop. Voilà. Salut Lucky. Le parapluie était fixé au sac à dos. Non, je le tenais à la main. C'était assez galère. C'était assez galère. Par contre, j'ai loupé un truc. La 4G vous a lâché. Eh oui, vidéo j'ai mis. Eh oui. C'est pour que les messages destinés à Maudie soient en bleu et ceux pour Crane soient en rouge. Exactement, Glenn. Merci beaucoup. Est-ce que Porygon est réservé au Japon? Je ne sais pas du tout. Je ne l'ai pas en tout cas. Salut Pandaru. Crane, après tes heures de Pokémon Go, c'est toi qui fais le découpage des vidéos pour YouTube et cela se fait en automatique? Non, c'est Hope qui s'en occupe. Sachant qu'il n'y a pas de montage, par contre on est en train de voir pour faire du montage de petits best-of à côté. Mais ça c'est plus Maudie qui va s'en occuper. Je viens de rentrer d'une grosse journée de chasse, beaucoup de nouveaux Pokémon. GG, I Dream Live. Crane, j'ai réécrit la chanson de À l'aventure Compagnon, j'espère que tu connais, voilà les paroles. À l'aventure Pokémon. Du coup on est obligé de faire ça parce que c'est Compagnon. Je suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, la co elle est pourrie. Tu vois, c'est la co elle est pourrie. T'aurais dû mettre la co entre parenthèses Nexion pour que les gens comprennent. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Et un dindon de Lucky, mon petit bonhomme en mousse. Merci beaucoup, mon petit bonhomme en mousse. Ma petite référence à Dead by Daylight, l'insulte qui fait peur de Maillard. Merci beaucoup pour le dindon. Après, je me souviens plus de l'air. En tout cas, GG à toi. Arrivé au lieu d'y tremper par un orage, mon forfait s'est enfui mais j'ai gardé mon courage. Contournant le nosfé qui mangeait mes pokéballs, j'ai glissé dans la boue et les factures sont arrivées, d'accord. Tu penses que le compte va être réinitialisé? Non. Je suis quasiment sûr que non. Crane, moi je vais peut-être aller chasser du poké, parce que désolé mais en Belgique, Pokémon Go est sorti il y a 6 jours, courage la France, merci Jax. Jax, juste Jax je pense. Go regarder le poké rap Crane pour apprendre le nom des 150 premiers Pokémon. Crane, je viens de rejoindre le live. De quoi? Ah d'accord. Crane, je viens de rejoindre le live. À première vue, les serveurs bug aussi en France ou c'est vers chez toi que c'est le boxon? Car je sais que les Japonais ont fait décéder les serveurs. Bah je ne sais pas du tout. Moi c'est ma clé 4G qui est morte. Mais Crane, les dessins de Maudie étaient beaux, parfait. Elle se débrouillait bien, nous dit Mamblerose. Je verrai sur le replay.
C'est sympa ce petit moment. Crane, on l'adore maudit. Ah, ça c'est gentil. Crane, j'aurais essayé de te pervertir dans tes convictions, mais c'est raté. Crane Live, je t'ai envoyé en MP le lien du calculateur avec le tableau. D'accord. Quelle heure Crane pour le stream avec Atomium? Aucune idée parce que là, j'ai quand même eu un souci. Normalement, c'est mercredi prochain, mercredi après-midi ou je sais pas comment. Mais si j'arrive pas à trouver de solution pour la connexion, je sais pas du tout ce qu'on va faire. On peut avoir le site qui regroupe tous les trucs Pokémon Go. Bah, je l'ai pas encore regardé, donc pas pour l'instant. Non, Porygon n'est pas réservé au Japon, nous dit Biquette. Crane, tu as une explication sur le fait que le jeu Pokémon Go télécharge via un autre pays se trouve téléchargé en langue française chez nous? Aucune idée. Crane du tout. Bah, à mon avis, je pense que la sortie française est prête, hein, mais qu'ils l'ont repoussée à cause de tout ce qui s'est passé en France. Je pense, hein, ça se trouve, c'est pas ça. Bonne soirée, Ubernood. Salut Crane, tu penses utiliser des sites comme Pokévision qui donnent les coordonnées exactes des Pokémon en temps réel avec le temps de spawn quand il ne te manquera que très peu de Pokémon pour finir ton Pokédex? Pour l'instant, j'en ai pas l'intention. Après, on verra, hein. Je vais pas passer non plus 50 heures à chercher un Pokémon pour pas du tout le trouver, mais je vais essayer au maximum de pas utiliser ce genre de site parce que je trouve que ça enlève un petit peu du fun. Étant de la team Intuition, on constate toi aussi une infériorité par rapport aux deux autres teams. Bon, on est moins nombreux, on est beaucoup moins nombreux. Salut Dablitzer. Crane, c'est qui, maudit? En fait, bah, c'est ma moitié. Il te manque combien de Pokémon dans ton Pokédex à part les légendaires? 61 du coup. Bonsoir Crane, bonsoir les Mondos et bonsoir le chat, salut Elven. Et un message avec Maudit et Crane dedans, il sera de quelle couleur? Je sais pas. Crane, il y a une offre Bouygues, ils offrent une carte SIM Go avec Go dessus. Pourquoi ne pas demander à un viewer de t'envoyer En tout cas, cet après-midi à la tête d'or, j'ai quasi même pas eu de bug et c'était... Bah c'était bien, on va dire, c'était bien. Ça coûte cher une clé 4G dans la clé? Non, c'est le forfait qui est embêtant. Salut Yarian. Crane, ta clé 4G est morte. Carbouik s'est dit, wait, il a plus de 200€ de hors forfait, on lui coupe. Crane, comment tu vas faire pour stream du coup? Tu penses à quelle solution? Je sais pas, mais la solution du 100€ pour 100Go, 100€ hors taxe, donc 120€ pour 100Go, c'est cher, mais bon, quand même, je suis énormément soutenu par la communauté. Il y a les dindons, il y a les abonnements. Donc, c'est une solution qui pourrait me paraître acceptable, mais un peu cher quand même. Mais le truc, c'est qu'ils veulent que je m'engage un an. Et je suis obligé de prendre au moins 200Go. 300Go, ce serait l'idéal. Et autant, on ne sait pas ce que ça peut être dans un mois. Ça se trouve, on n'aura plus du tout envie de faire ça. Et je me retrouverai avec un forfait énormissime tous les mois. Et je suis pas hyper rentable non plus. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si je dois payer 300€ dans le vent tous les mois pendant des mois, ce sera absolument pas possible. Donc voilà, je sais pas, c'est le problème. Crane, connais-tu Pogo Toolkit qui permet de prévoir le nombre de PC après une évolution? Je trouve ça assez legit. Ouais, ça enlève aussi un petit peu du fun, mais bon. Crane, accélération. Tu veux que j'accélère quoi? Bah, un message avec Molly et Crane dedans sera violet, mélange de bleu et de rouge. Sinon, tu as la solution miracle pour jouer à Pokémon Go quand on est en fauteuil roulant et perdu dans la campagne profonde entre vaches et cochons. Bah là, dans ces cas-là, c'est dans le genre de cas où le fake GPS est tolérable. Juste les 50Go de free suffisent, je pense, Crane. Non, parce que free couvre mal la ville. Donc non, j'aurais le forfait de free, je me baladerais dans les rues et ça arrêterait pas de couper. Tu aimes le lapin? Le goût, je suis vegan, donc non, je mange pas le lapin. Crane, ouvre les deux teux. Les deux teux? J'ouvre les deux teux? Très bien. Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais d'accord. À boire un coup parce que j'ai soif. J'ai faim aussi, mais bon. Je vais pas le dire trop fort parce que Maudit va m'apporter de la smoule, sinon c'est dangereux. Ça mange des gigas de ton forfait, joue à Pokémon Go dans la rue? Non, jouer à Pokémon Go, ça mange pas beaucoup. Hein. Moi, c'est vraiment ce qui bouffe, c'est le logiciel de streaming. À ce qui paraît, il y a déjà des Pokémon légendaires dans le jeu, mais ils sont hyper rares et ont un taux de capture de 0 et tu dois avoir une Master Ball pour l'attraper. Apparemment, tu peux uniquement les attraper aux events Nintendo. 166 km, 88 vues, 88 prix depuis mon départ le 14 juillet. Je me suis fait un petit setup sur mon vélo et en prime des mollets de compète. Bah GG à toi. Mais finalement, tu vois, moi j'ai marché plus de 60 km sur Pokémon Go. Toi, t'as fait plus 160 km en vélo. On est bien tous les deux. Hein. Crane Poké Assistant sur Google, le meilleur site pour Pokémon Go. Pour les outils, nous dit Totu. D'accord, Poké Assistant. Molly fait un live après. Oui, à 23h sur sa chaîne perso. M-O-D-I-I-I-E. Crane boit du sang, mais non. Et des glaçons. Je crois que les glaçons. Non, c'est pas dangereux la smoule, mais c'était en référence à la smoule qu'elle m'a apportée l'autre soir. Ça existe des moyens de faire un double forfait quand la clé 4G trouve le réseau free, ça utilise, et sinon ça passe sur la 4G de Bouygues. Non, parce que ça ferait sauter la connexion entre les fois. Lien, Meridius.
avec un L. Cringe, je me suis coincé. Je suis coincé dans mon bureau, ma porte ne s'ouvre plus et je suis au troisième étage, help. Bah du coup, t'as quand même accès à internet. Tu dois pouvoir contacter quelqu'un. Cringe, si tu veux, il y a Exanet qui propose des forfaits 3G, 3G+. Après, il faut voir la couverture de Lyon et le prix. Des forfaits Exanet, hein, qu'est-ce que c'est? Ah oui, après, c'est quand même un souci de forfait. Exanet. Alors, je vais remettre internet où j'ai l'habitude. Alors, j'ai un souci de lentille en plus depuis ce matin. C'est des lentilles toutes neuves, donc ça m'embête si je dois la changer. Parce que voilà, ça m'embête vraiment beaucoup. Elles sont vraiment toutes neuves, mais j'ai l'impression qu'elle est morte. Et comme je sors beaucoup, je marche beaucoup, il suffit que j'ai pris un truc dans le... une petite connerie en levant dans l'œil. Alors, Exanet... Forfait 3G. Qu'est-ce que ça dit? Ça me dit Red, Grillage, Exanet, Galva. Les forfaits 3G illimités. Non, j'arrive pas à bien voir ce que c'est, ce qu'il faut que je regarde. 5 jours dehors, tu as pris un peu rougi. Félicitations pour ton bronzage, merci. Crène, je suis dans une petite ville au nord, lol, pas à Lyon. Ce qui m'oblige à bouger beaucoup, même pour les Pokéstop. Mais GG à toi aussi. Coucou Crane, j'ai ressorti mon compte juste pour te dire que Bouygues fait jusqu'au 27 une offre pour tester le réseau pendant un mois, t'as 10 gigas, livraison offerte, etc. Et tu peux en commander plusieurs et c'est sans engagement. Mm-hmm. Je vais te laisser, mais tu te rends pas compte la galère hein, si je... En plus ça doit quand même être limité à un par foyer, hein, je vois pas de... Ça me paraît très bizarre. C'est moi où il y a eu un resub qui ne s'affiche pas. Ah attendez, si vous... Bah oui. Mais oui, il y a GlobuloGL99 qui se réabonne. Premier réabonnement, tu deviens aucun membre confirmé de la Glou Family, tu rentres dans la confrérie du Nindon et bim le ressum. Merci beaucoup, GlobuloGL99. Globulo, je pense que Globulo, ça ira bien. Alors ça, j'ai déjà lu. Crane, je vais te laisser pour un petit moment pour l'épisode 28 d'aventure. Bon épisode à toi. Crane, apparemment, il y a les Pokémon... Ah ça, j'ai déjà dû lire. Mais seulement les soirs de pleine lune, et il faut faire 3 tours sur soi-même pour avoir une chance sur 10 millions de le capturer. Et est-ce qu'il faut avoir une jambe enroulée dans du jambon? Une boîte de la sangria, exactement. Orange propose rien pour les forfaits 4G. Non, rien au-dessus de 20 gigas. Ah, tu as des lentilles, et oui. Pas des lentilles de couleur, hein, juste des lentilles classiques. Salut, Dark Dante. Yop, Xenaron. Aucun rapport avec Pokémon, mais que penses-tu de la VR? Bah, j'ai le HTC Vive que j'ai toujours pas branché parce que j'ai toujours des problèmes de PC. Voilà. Voilà, voilà. Je ne comprends pas, Crane, en France, vous n'avez pas de forfait illimité. Perso, en Suisse, je paye 69 francs par mois et je suis en illimité. En 4G, en mobile, hein, on parle de mobile. Hein. Non, on n'a pas de forfait 4G illimité, nous. Tu veux un cadeau et me dis pas blabla, mais ça va être blablabla. Voilà, Casté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise à des questions comme ça? Je faisais un petit passage, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, Lucky. Crane, que penses-tu de la vie des canards? Bah c'est sympa mais c'est moins bien que la vie des dindons. Tu vas jouer à un jeu ce soir? Oui, il faudrait. Taboulé prêt mon Crane à table. Mais non, moi je veux du taboulé aussi. Crane, as-tu regardé les forfaits BNU qui sont sans engagement et pour 20 gigas tu payes 25 €? Bah oui mais c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout. Parce que du coup ça veut dire 25 € par stream. C'est violent quand même, là ça fait x5, ça fait 125 €. Ouais non, c'est le même prix en fait que Bouygues. C'est la tristesse, c'est le même prix de Bouygues environ. Et nous avons Shishio, Shishio qui rejoint la Glou Family, bienvenue à toi. Et bienvenue dans cette communauté de dindons avec des yeux pleins de... Mais oui, toi tu as le droit à ton mot vu que je suis là. Vu que je suis là, toi tu as le mot. Tu as le mot, tu as le mot, tu as le mot. Ça on l'a déjà eu, ça on l'a déjà eu. Est-ce qu'on l'a déjà eu? Ah ça je crois qu'on l'a déjà eu. Ah là mais maintenant c'est compliqué. C'est compliqué de trouver plein de croquis. Et oui, plein de croquis parce que le dindon est doué en dessin. Vous avez vu Maudie, elle en est la preuve vivante. Vous le regardez dans ses yeux, vous voyez les croquis de Maudie, c'est magnifique. Des bisous et bim le sub de Shishio. Merci beaucoup, c'est très gentil. Selon le type de jambon, le Pokémon est différent. Ah d'accord. Merci Retos. Crane, on a dû te la poser la question 1000 fois ce soir, mais c'est quand ta prochaine sortie pour Pokémon Go? Je sais pas, normalement c'est dimanche, il y a une sortie lyonnaise que je voulais absolument couvrir. Mais là, voilà. Mon cœur de canard pleure. T'es à combien de hors forfait? 40 gigas. Ah que coucou, ça fait longtemps. Salut Ristocrouf, merci beaucoup, les bisous et bim le resub, 10 mois de soutien, c'est beaucoup, merci beaucoup. Oui, Crane 4G limité partout sur mon réseau national. Bah ça c'est cool, The Marcus, non, on n'a pas ça.
J'ai pas eu le mien hier, nous dit Barocrane qui n'a pas eu son mot. Je vais pouvoir lui donner tout de suite. Les yeux pleins de pluie. Bah oui, parce que le dindon mouillé, bah il sort quand même streamer, il sort quand même faire du Pokémon Go. Mais la pluie, ça fait partie des choses possibles. Et oui, des bisous et bim, merci beaucoup. Ah, Pandaru, t'atteste le tabou à l'avant, c'est ça? Alors, crée une petit point fitness, combien de kilos tu as déjà perdu? Je sais pas, je me suis pas pesé. Tu sens une différence dans le souffle? Tu sais, je suis asthmatique, donc mon souffle, c'est toujours problématique. Mais, moi, ça se passe bien. J'ai toujours fait beaucoup de cardio. Non, ça se passe bien. La marche, ça se passe bien. C'est dès qu'il y a des montées ou des descentes. Là, je galère, par contre. Salut Loïs Gab. Il y aura une mise à jour sur Pokémon Go, tu pourras trade, peut-être. Vous avez eu cette réponse? Peut-être. Tu recours quand sur Marvel Heroes? Oh, bah, faudrait, une fois que j'ai le nouveau PC, le réinstaller. Crane, tu peux demander un partenariat à Bouygues comme Mister MV? Non, ils m'ont répondu qu'ils n'en faisaient plus pour le moment. Une clé 4G gratuite et en échange, tu marques Bouygues sur ton stream. Oui, mais ils m'ont dit non. Crane, faut mettre le CD sur la dernière commande. Ah, je vais faire ça. Je vais faire ça. Hop, c'est quoi la dernière commande? À table, manger à table. Ok, non mais tu fais un million de commandes quoi. Alors, éditer. Ah là là, save and close, c'est fait Aube. Salut Alaska. Même pas Crane, je l'attends, le fameux taboulé. Salut Erdogan. Crane, tu as vu la nouvelle annonce de Pokémon Go, comme quoi la prochaine match permettrait de faire le défi entre joueurs. J'ai vu qu'il y avait quelque chose comme ça, tant mieux. Ah, manger, ça fait à table Frost. Voilà, fabuleux, c'était utile de mettre ça. Très très utile. C'est quoi ta config PC? Actuellement, c'est un i7-3770K, une 980. Pas une T, une 980. Et ça, c'est le PC que Maudy va récupérer. Et moi, derrière, normalement, j'ai un 6900K avec une 1080 dedans. C'est une demande d'Agen, bizarrement. Bah voilà. Tu joues à d'autres jeux aussi, à part TCGO et Pokémon Go? Oui, du Dead by Daylight, on a fait récemment. On a fait un million de trucs, hein, que je sais pas. À une époque, j'ai beaucoup campé Isaac. J'ai beaucoup campé Dark Souls. J'ai fait tous les Dark Souls en live. Et Demon Souls aussi. Attention, un avion. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un million de trucs. J'adore les... Il y a plein de petits jeux indés que j'aime bien. Des jeux narratifs. J'aime beaucoup les jeux narratifs. J'en ai quelques-uns à faire, d'ailleurs. Tu stream quoi ce soir? Eh ben je ne sais pas parce que j'avais prévu de faire du Pokémon Go et mon forfait a sauté. Il a dit non. Tu es interdit de Pokémon Go maintenant. Donc on va peut-être faire du Dead by Daylight ou je sais pas encore. Comment sait-il qu'on ne voit pas Noctalis parce que c'est pas la première génération. Il faudra attendre une prochaine génération. J'ai fait du Warhammer aussi, j'ai fait du FTL. J'ai fait plein de choses. Faut que tu fasses du Bloodborne. C'est vrai que Bloodborne je l'ai pas fait par contre. Mais ça me tente moins parce que le gameplay est beaucoup plus action que les autres Dark Souls. J'aime moins. C'est moi ou tu as 2-3 mangas derrière toi? Il y en a quelques-uns. Après, j'en ai pas tant que ça. Hein. C'est juste quelques étagères. Hein. Pour les gens qui collectionnent les mangas, il n'y a rien d'impressionnant. Mais j'ai des jolies collections, genre l'intégrale de Ken en japonais, l'intégrale de Dragon Ball en japonais. Ah, 1h30 pour le t-shirt. Ouais. Alors attends, il est où? Est-ce que je peux faire ça en live? Est-ce que j'ai toujours le lien? Je retrouve plus le lien. Ah oui, c'est là. Ces liens là, et qu'est-ce qu'ils veulent? Alors que je rentre mon nom, ça je peux le faire. Hop. Alors. Ok, shipping address. Oui, la même chose. Les frais de port. Ok. Ok. Alors. On va prendre la newsletter. C'est une seule par semaine et j'aimerais bien voir ce qu'ils proposent. Ok, on est prêt. N'oublie pas Undertale, c'est vrai. Un jour, il faudrait que je le refasse. Tu joues sur PC uniquement ou sur console aussi? Alors j'ai fait un peu de console PS3, mais ça m'a fonctionné pas bien parce que j'avais des soucis d'USB. Mais j'ai fait un setup en bas dans le salon et j'espère pouvoir vous faire du stream console. Par contre j'ai pas trop de console pour le moment, mais un jour j'en prendrai. Grâce à TLF j'ai repris goût à Pokémon et je suis pas mal tenté par Pokémon Go et Pokémon X et Y. Bah deux bons choix parce que j'ai adoré Pokémon X et Pokémon Go je m'éclate à le faire.
si tu vas faire du jeu horreur que t'as fait avec Bob JDG et Loader, c'est qui Loader? C'est possible. L'intégrale en japonais, je croyais que tu n'avais plus de souvenirs de japonais, Crane, c'est juste pour la collecte. Bah disons que je les ai depuis, je les ai quand j'étais étudiant. Donc à ce moment-là, j'arrivais à peu près à comprendre. Maintenant, c'est vrai que c'est... Ton forfait redémarquant, bah je ne sais pas, le 1er août, je pense. Salut Elien. Crane, quel t-shirt? J'ai pris un hoodie Instinct et un t-shirt pour Maudit Instinct. Sachant que c'est un t-shirt taille S, mais Maudit, même dans le taille S, elle nage. Donc on verra, ça lui fera un t-shirt pour la maison au pire. Mes consoles, j'ai acheté à l'occasion parce que wow, les prix neufs, ça fait mal, j'avoue. Salut Mousse au Choco. Ah mais voilà, maintenant les gens, ils essayent un million de commandes. C'est la faute d'Agen, ça. Il veut foutre le bordel. Je vois ça. Alors, le hoodie en XL, bien évidemment. Le petit t-shirt en small. C'est tout bon. PayPal, continue. Alors, oui. Quel souci? Ok. Ok. As-tu en parler du jeu Ghost of Tale? Ça me dit quelque chose au niveau du nom, mais c'est tout. Salut Calendar. Fallait prendre taille bébé. Le site, c'est QWERTY. Hop. Je sais pas ce que c'est mon code. On va essayer ça. Ah, c'est pas ça. Peut-être là que j'ai fait une bêtise. Pourquoi ça marche pas? Ah là, ça marche. C'est bon, on est bien. Oui, je vais vous montrer le visuel du t-shirt et du hoodie. Ok. Want to register with QWERTY? Choose a username. Alors, hop, enregistré, c'est bon. Ce sera envoyé au 1er août. Et donc, alors, comment... Ah, on peut pas cliquer ici, donc je vais vous montrer. Ah là, c'est là. Ajouter, capture d'écran. Voilà, c'est ça. Et donc, alors moi, ce que j'ai pris ça. Et pour Maudit, j'ai pris ça en S. Ah oui, il y avait taille enfant, mince. Hop, vous avez le t-shirt. Et ils sont vachement plus classe que les autres teams, je trouve. Hein. Parce que déjà, il y a le noir. Voilà, ouais, voilà. Là, c'est un sweat. Ça, c'est le hoodie. Et ça, le t-shirt. Voilà, voilà. Il y en a aussi sur Yeti. Mais c'est bien, ils ont pas fait tout jaune. Ils ont fait noir avec du jeu. Crane Live, il taille plutôt court. Fais gaffe. Ouais, j'espère que XL, ce sera pas trop petit pour moi. De toute façon, XL, c'était le plus grand. Ah, il y avait XXL. Alors, faudra que je perde du poids. Mais bon, si j'arrive pas à mettre du XL, je suis quand même tristesse. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu en live, ça fait plaisir, nous dit Fox White. Il y a le lien pour les t-shirts qui se baladent. Attends, hop, je vais te donner ça. Bah tant mieux s'il taille petit parce que S pour Maudit, c'est grand déjà. J'ai pas pu capturer un Gravalanche et un Scarabrut. Ah là là, je suis désolé. Salut papy. Tu as bien reçu mon tweet par rapport à QWERTY. C'est grâce à toi que j'ai dû voir. Donc du coup, attends, je pense que c'est toi qui me l'as envoyé. C'est grâce à toi que j'ai cliqué. Enfin, grâce à toi. Grâce à toi que j'ai dépensé des sous.
Ah, il y a des gens qui envoient des dessins. Ah, il y a des gens qui capturent du Pikachu. Ah, il a combien ton Loclass? Loclass 949, nice. Un Mélofée. 314. Ah là là, qui c'est qui a affronté un Florizarre 584? Il est robuste, mais j'ai fini par l'avoir. GG pour ton Florizarre. GG Coromado. Un petit Pikachu capturé par Louis Herman. Un joli Carapuce 415 capturé par Orange. Il y a pire comme Spotarukul et oui, c'est très joli. Très joli, Elven. Si on cachait des Pokémon dans les abattoirs, les humains seraient tous vegan. Un Pikachu 137. Ah, apparemment. Ah non, quelle tristesse parce qu'il est petit. Mais Big Bang qui a trouvé un Pikachu. Un petit Mew fait avec une tête un peu fat en cours. À ton tour, maudit Ukraine. Très mignon. Il est mignon, ton petit Mew. Ok, un Porygon. Capturé par Théophile. À Sax Gambetta. Nice. Ok, ok. J'ai regardé un petit peu vos tweets. Salut Silent Sword. Salut Alessia. Crane à 32 ans, je suis passé à côté de Pokémon. Tu me conseilles quel jeu après PokéGo? Bah tu vois, moi à 34 ans, je suis passé à côté aussi. Moi j'ai commencé par Pokémon X, XY, donc c'est la même chose. Hein. Soit X, soit Y, il y a un Pokémon de différence. Donc voilà. Moi je te conseille pas Rosa, moi j'ai moins accroché. Mais il faudrait quand même que je les fasse. Mais Pokémon X et Y sont vraiment très très sympas. Les Pokémon que l'on a lorsque l'on éclot un œuf, ils ont des CP en fonction de notre niveau. Ah bah je pense que le niveau joue. Il y a quelqu'un qui dit que ça, c'est level 20 maximum, ce qui serait un petit peu dommage. Et logiquement, quand t'es dans la team jaune, t'as les meilleurs œufs, mais pareil, je peux pas te confirmer. Voilà, voilà. Bon, alors combien de kilomètres tu vas faire aujourd'hui? Non, mais que j'ai fait parce que j'ai dû rentrer parce que la clé est décédée. Tu vas compter ta chasse à cause de ton hors forfait. Eh oui, parce qu'ils ont limité le débit, donc maintenant je ne peux plus. On a explosé le téléphone, le forfait 4G sur mon téléphone. On a explosé le forfait 3G plus sur le téléphone de Maudit. Et on a explosé de très très loin de 40 Go le forfait sur la clé 4G. Mais apparemment, au bout de 40 Go de hors forfait, il coupe. Salut Elstraza. Salut Lord Plague. Bien la chasse. Oh bah j'ai quand même eu 4 nouveaux Pokémon. Donc je suis à 80 sur le Pokédex. C'est pas mal. Regarde, Crane, 50 Go en 4G mobile. Non mais c'est free. Arrêtez avec free. Ce n'est pas possible. Bien sûr que c'est intéressant financièrement, mais ce n'est pas possible. La couverture n'est pas assez bonne. Dans les rues de Lyon, il y a plein d'endroits où tu perds la connexion avec free en 4G. Donc c'est juste pas possible. Prends un forfait par NAS, un Théo de Fair Use. Qu'est-ce que c'est ça, Twel? C'est quoi le site pour voir les PC avant évolution? Moi, je le connais pas, parce que je m'en sers pas. Tu es chez quel... je crois que c'est 5€ le giga, quelque chose comme ça. Je sais plus. Non, je peux pas demander des appels aux dons de cartes SIM gratos parce que déjà ça dure un mois. Et c'est 10 gigas à chaque fois. Non, mais il en faudrait tellement. Parnasse.fr, je sais pas ce que c'est. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois pas ce que c'est par contre. Parnasse vous aide membre, votre espace piré, vous souhaitez devenir membre. Parnasse, la marque sélective d'Orange, délivre l'excellence d'un service ultra personnalisé à l'avant-garde du monde numérique. Vous et donc un cercle. Vous souhaitez devenir membre, vous souhaitez être invité, vous êtes coopté. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, Parnasse.fr? Ça vous parle? C'est chelou. La marque sélective d'Orange. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne coûte rien et ça vous permet de stream. J'ai pas free, du coup, ben j'ai pas compris, c'est ça.
Salut, Afnash, je crois que je t'ai déjà dit salut. Crane, j'ai le WAP sur mon tel, si tu veux, je peux te le prêter. Ça, ça a l'air bien, ça. Salut, Arganas. On parle de 3 sur le stream de Lenk qui était Racide, gros streamer français, pour ton stream concept de Pokémon Go. Bah oui, je sais, parce que Lenk, si je dis pas de bêtises, il avait fait un tweet qui disait « Ah oui, c'est nul les streams Pokémon Go FR, personne ne se sort de chez lui. » Et quelqu'un lui avait répondu « Si, si, il y a Crane. » Tu as déjà l'offre découverte Bouygues gratuit pour un mois. Un client Bouygues déjà abonné peut y souscrire. Je suis pas abonné à Bouygues. C'est le... Moi, je suis chez Orange, mais la clé 4G, c'est autre chose. Tout à l'heure, j'ai écrit un mail au fils 11 ans et 14 ans d'une collègue à ma mère qui voulait jouer à Pokémon. Du coup, je leur ai écrit un mail où je leur donnais des conseils pour bien débuter tout en leur disant de bien faire attention. Bah, c'est cool, Onra. Ça veut dire quoi pour la suite Pokémon Go? Du coup, cette fin d'internet, Crane, faut que je trouve une solution. C'est les forfaits des stars Crane Live. Ouais. Bonsoir Crane, bonsoir tout le monde, salut Teammaster. Je viens de regarder vite sur internet, ton hors forfait devrait te coûter 0,01€ par MO dépassé, donc 1000 MO. Ça fait combien? Ça fait 10€. 10€, ça fait 400€, ouais c'est ça, c'est bien ce que j'avais pensé. Pour la prochaine chasse, Crane, t'as pas moyen de t'organiser, j'irai chasser chez vous et squatter la côte des gens. Crane, Parnasse, c'est la marque privilège d'Orange. Le premier forfait est à presque 3 000€ le forfait, mais tu as tout en illimité dans tous les pays du monde. C'est pas du tout pour toi. Ah bah voilà, on est bien. On est bien, 3 000€ le forfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir linké ça, c'est parfait. Va dans un centre commercial et balade-toi dedans en prenant le wifi du centre. C'est pas très sexy quand même. C'est pas très sexy. À 750, tu te fais la coupe de Walter. Mais vous voyez, des gens comme Squeezie, comme Cyprien ou autres, hop, ils prennent leur forfait Parnasse à 3 000€, ils sont illimités partout. Et voilà, ils peuvent faire du Pokémon Go en live dans les rues et on peut dire, ah bah c'est novateur ce que tu fais. Voilà, voilà. Alors que c'est juste un problème de qui a les accès et qui n'a pas les accès. Voilà. Parfois, c'est plus facile d'innover quand tu as les moyens de tes innovations. Si tu veux, un par un Parnasse, je t'en trouve un. Le premier forfait est à 120€. Ah, là, par contre, Twell, oui, ça peut m'intéresser. Ça peut m'intéresser. Crane, tu peux me rappeler le jour du stream avec Atto? J'ai la mémoire courte. Normalement, c'est mercredi. Mais tant que j'ai pas trouvé une solution. Donc, oui, Twell, ça peut vraiment m'intéresser. C'est la bibliothèque de qui derrière? Parce que je sais que c'est un fond vert. C'est la mienne. Mais c'est le salon. En fait, j'ai pris la photo du salon et je l'ai mise sur le fond vert. Et tu peux la voir sur le live de Maudiz. Ce n'est pas un fake, c'est vraiment ma bibliothèque. La barre Dieu, c'est pas sexy, non. C'est pas sexy du tout, Loïc, le leak. Yup, the best loulou. Ah, il y a une cotisation à 3 000€ annuelle aussi. Ah oui, ton premier forfait, il est à 120€, mais il y a une cotisation annuelle à 3 000€. Ah bah oui, bien évidemment. Je crois que tu te trompes de streamer. J'ai bien avancé sur l'intro, elle sera prête demain soir. Par contre, bah c'est gentil, Doc Créateur. Explique-moi la sortie lyonnaise de dimanche. Bah, c'est une chasse groupée de Pokémon, apparemment. Harcel pour ton partenariat. Je sais pas ce que je peux faire de plus. Hein. J'ai envoyé des mails, j'ai appelé tous les jours. Je sais pas quoi faire de plus. Donc ils m'ont dit non. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bonjour, bienvenue au service d'assistance de Bouygues. Que puis-je faire pour vous? Et nous avons Valstraza qui se rabonne pour la 10e fois. Voilà, le 10e dindon. Merci beaucoup, Valstraza. Des bisous et bim. Et bim, le resub. Merci beaucoup. Tu vis que du stream, Crane. Il y a aussi un peu de YouTube grâce. Enfin, même si c'est par Dailymotion, plutôt grâce à Aventu. Du coup, Crane, tu veux que sur l'intro on entende combien de temps? Et est-ce que tu as le lien de Danon qui danse? Là, comme ça, non, je t'avoue, je l'ai pas. Sinon, tu trouves un partenaire pour payer le forfait? J'ai pas trouvé pour le moment. Crane, avais-tu essayé le hotspot Wi-Fi Orange au lieu de la 4G? Oui, mais non, c'est pas possible les hotspots Wi-Fi parce que tu passes d'un endroit à l'autre, ça, la connexion arrêterait pas de sauter. Recrane Live, c'était qui la fille tout à l'heure? Vous streamiez pas ensemble? Alors, elle s'occupait de la régie pendant que moi j'étais à l'extérieur et c'est Maudit, ma compagne. Crane, tu as enfin eu ton réflexe? Non, toujours pas, Elven. C'est juste par curiosité. Non, Crane Live, il te faut combien de gigas par mois? Dans l'idéal, 300. Dans l'idéal, 300. Crane, c'est quoi ton plus gros coup de cœur en roman fantasy sans compter les incontournables comme l'autre? Je sais pas du tout, hein, moi. Il y en a plein que j'aime bien en fantasy. Après, sans compter les incontournables, donc pas Conan, pas des trucs comme ça. Après, il y a toujours. Est-ce que tu comptes Moorcock avec Elric? Il y a aussi Hera Salvator avec les chroniques de l'Elfe Noir, avec Drizzt Do'Urden d'Aeron Nashes Byrnon, voilà un nom très simple à prononcer. Il y a le cycle de Scat qui est pas très très connu, pas connu du tout même, que j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de choses.
Tu parlais de quelle édition, Crane? L'édition, l'autre, je sais pas quel est le nom de l'édition. C'est l'édition que vous voyez en haut, l'édition noire que vous voyez entre Minas Tirith et les... Ah, j'ai oublié encore. J'ai oublié leur nom. L'Ardonat... Ah, oh, je sais plus. Pokémon Go, c'est zéro gameplay. Mais non, c'est pas... Enfin... Le gameplay, c'est toi qui le crée en bougeant. Donc oui, le jeu lui-même. C'est pour ça que Fake GPS a pas d'intérêt, parce qu'en effet, il y a très peu de gameplay. C'est toute la recherche. C'est le fait que ce soit un jeu de piste. C'est un jeu de piste. C'est ça, c'est un jeu de piste. Vu que tu es auto-entrepreneur, tu devrais avoir accès au forfait Orange Business Everywhere. C'est un forfait vraiment illimité en data. Ah non, il n'y a pas de forfait vraiment illimité en data. Je suis pas auto-entrepreneur, je suis en SARL. Donc même, je devrais encore plus y avoir accès. Et le Business Everywhere, il est absolument pas illimité en data. Salut tout le monde, moi j'ai arrêté Pokémon Go, je me suis battu avec un autre dresseur, il m'avait piqué un Pokémon légendaire, il est mort maintenant. Alors l'endroit où tu as chassé le Ronflex à Lyon, c'était, je suis en ce moment, mais je ne sais pas où c'est. Alors c'est sans grande conviction, il y a deux endroits apparemment dans les pentes de la Croix-Rousse, ou alors il y a une île au centre du parc de la Tête d'Or, où paraît-il il y aurait eu des Ronflex. Tu vas te muscler les jambes à force de faire des sorties Pokémon Go, et oui. Crane, ça changerait vraiment quelque chose de baisser la qualité de Mobizen, remarque d'un viewer qui regarde les streams en low à cause de sa connexion. Bah... c'est dommage parce que ce qui a fait énormément tilter de gens, c'est la qualité du stream, la qualité bien sûr de la préparation, des intervenants, tout ça, donc merci beaucoup, mais aussi la qualité vidéo. Donc pour moi c'est important que vous ayez un bon son, une belle image, pour moi c'est très très important. Salut Popo. Crane, tu ne voudrais pas échanger la prochaine fois, Maudit à la chasse et toi à la régie? Je lui ai proposé déjà, mais c'est vrai qu'elle préfère rester à la régie et moi je préfère aller dehors. Et elle sera beaucoup plus réactive et beaucoup plus réceptive aussi à vos tweets et aux Pokémon que vous envoyez, parce qu'elle est beaucoup plus familiarisée avec l'univers Pokémon. Non, Crane, il n'y a pas de cotisation annuelle avec Parnasse, mais il y a des frais d'entrée de 1 500 € à ne payer qu'une fois. Très très cher, hein, très très cher. En tout cas, Crane, merci de te démener pour nous offrir. Bah, faut voir. Non, mais ouais, voilà. Je suis quand même curieux de voir ce que ça donne. Donc, en tout cas, Crane, merci. Ouais, non, ça j'ai déjà lu. De rien du tout. Crane, penses-tu refaire un contenu à l'LFG? J'aimerais bien un jour, mais plus en clin d'œil à ce que j'ai fait avant. Je viens de voir le dernier épisode d'aventure. Vous avez déjà tourné la fin de la saison? Et non, pas encore. Crane, c'est toi qui as fait ton intro Twitch? Non, c'est Maeldras, celle avec Star Trek. Pourquoi je dis Maeldras? J'en sais rien. Antares. Parce que c'était son anniversaire à Maeldras. C'est un truc qui n'a rien à voir. Voilà, Maeldras maintenant il fait les intros. C'est plus Antares. Voilà, il a usurpé l'identité d'Antares. Tu aimes la violette et quel type de thé préfères-tu? Moi j'aime les thés sans thé. Et oui, j'aime tous les types de thé. Quel type de thé je préfère? Non, je sais pas si j'ai vraiment pas trop. Non, j'ai pas. Non, j'en sais rien. Crane s'est prononcé le nom de Ritz, respect. Salut Crane, je reviens d'une chasse, nous dit Newm. J'espère que t'as trouvé des choses sympas. Crane, pour jouer 7 jours sur 7, il faut un forfait 8 Go par mois. Tout ça, c'est beaucoup quand même, 8 Go. Bob peut pas t'arranger un coup avec Wig? Bah non, il a essayé. Vous verriez le message qu'il a envoyé. Il a envoyé en disant oui, c'est un gros streamer, c'est une étoile montante. Il a deux fois plus de personnes que moi quand il stream, etc. Donc il a vraiment fait une promotion de ouf. Un grand, grand merci à lui. Mais ça n'a pas suffi. Dis-moi Crane, ça te dépannerait pas de te mettre dans un coin avec un wifi quelconque à proxy de Pokéstore en y mettant des leurres et en utilisant de l'encens, c'est combine pour attirer les Pokémon sans bouger. Ouais, mais ça a pas grand intérêt. Ça a pas grand intérêt pour le live. Salut Tristos. Tu as une SARL, quelle est ton activité? Pourquoi avoir choisi une SARL? C'est compliqué la raison pour laquelle j'ai choisi une SARL. J'ai une SARL de création de contenu multimédia, je suis tout seul à travailler dedans, hein, donc ça y a... C'est exactement comme si j'étais auto-entrepreneur, mais c'était par rapport à une question de papier et de légalité à la base, c'était la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir exercer. C'est pas la meilleure solution du tout, hein, mais j'étais dans une situation particulière. Salut Totoli ici. Crane Life, tu n'avais même pas lu mon conseil. Mince Sullivan, j'ai pas vu, je suis désolé. J'ai combien de retard? 1 minute, non, on est bien. J'ai enfin mon Dracolos après 3 jours de farm de mini Draco au bord du lac. GG Arl, ouais, GG. Salut Shinazuki. Un américain a déjà capturé les 141 Pokémon possibles dans son continent. Faut voyager pour en capturer certains, genre Canartisho uniquement en Asie. Tu es prêt à partir à l'autre bout du monde, Crane? Bah, si on est sponsorisé par Niantic ou Nintendo, je sais pas, pourquoi pas, ça pourrait être fun. Tu utilises quoi comme clé 4G? C'est une clé Bouygues classique. Quel auteur? Les chroniques de l'elfe noir, Crane, ça m'intéresse. R.A. Salvatore. Salvatore, S-A-L-V-A-T-O-R-E.
Salut Crane, je t'ai envoyé un MP tout à l'heure pour Labo Bouygues, mais je crois... Oui, j'ai eu exactement la même offre. Et le problème que j'ai, Philo, c'est l'engagement. Je peux pas m'engager sur un an. Ils m'ont dit, normalement, c'est un engagement 3 ans, on vous fait une fleur en vous faisant vous engager un an. Je leur dis, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Je peux pas m'engager à 200 ou 300 euros par mois sur quelque chose où je sais pas du tout ce que ça va donner dans un mois. Donc, c'est totalement impossible. T'es chiant, Crane, tu nous aides pas. Je suis désolé. Crane, tu es sûr que la couverture Free 4G est si mauvaise? Oui, sinon la 720p est pas forcément nécessaire pour du Pokémon Go, non. Si, mais après la 720p c'est pas un souci, la 720p elle est envoyée depuis mon PC fixe, donc c'est pas ça la question. C'est pas ça la question, mais voilà, la solution est simple, un câble Ethernet de 10 km, c'est ça. Crane demande à LV, MV va te dégoter ça. Bah MV il a demandé le pardon de Yabouig exactement la même façon que j'ai demandé, mais bon après c'est MV quoi, c'est un plus gros streamer que moi, donc voilà. Salut, un ornithorynque. Recrane, re le chat, je viens de regarder l'épisode d'aventure et il était génial comme toujours. Ouais, en gros, tu as choisi SARL pour frauder le fisc. Absolument pas, absolument pas. J'ai choisi le SARL pour justement tout faire dans la légalité. Justement, c'est parce que si je prenais pas une SARL, il y avait des choses qui seraient pas forcément légales, que j'aurais dû déclarer en nom propre, etc. Et justement, si j'ai pris la SARL, c'est pour pouvoir tout déclarer et bien faire. Je suis l'un des seuls streamers, youtubeurs, tout ce que vous voulez, qui déclare 100% de ses dons parce que je veux justement, je me juge comme étant quelqu'un qui n'a pas forcément de bol sur plein de trucs. Donc je me dis, si un jour j'ai un contrôle, si un jour j'ai quoi que ce soit, je veux être clean à 100%. Bon, ils savent pas reconnaître les vrais streamers. Combien de PC sur mon Draco pour un Dracolos 1500 PC? Non, je sais pas du tout ça par contre. Alors on n'est pas prêt de te recroiser en ville. Mais si, je veux trouver une solution. Bonne fin de soirée à tous. Merci Crane pour ce petit talk show. Je retourne sur le Battlestar Galactica. Des bisous, mille toi bien. Bon, je te le repose Crane. Tu vas regarder le site Pokévision pour savoir où... Non, je veux pas faire de Pokévision pour le moment. Je trouve que c'est triché. C'est combien l'abonnement par mois pour une clé 4G Crane? Ça dépend de combien. Ça dépend de combien de giga tu veux sur ta clé 4G. MP moi. Pourquoi je te veux que te MP Majax? Tu m'as envoyé d'autres messages? Crane. Alors attends, mince, j'ai loupé. Chat message. Ah non, il y a juste M. Ah, MP, je suis commercial chez Bouygues. Ah bon, d'accord. Bah envoie-moi, attends, hop. Tu peux me MP. Hop. On va faire quoi? Send user a message. Voilà. Comment je peux faire? Hop, hop, ici. Donc on a un commercial Bouygues, on a peut-être une chance de trouver quelque chose. Hop. Je vais faire ça. Donc je t'envoie quasiment rien pour le moment. Ok. Il va se faire un tour de magie, Majax. On sait jamais. Bah, on verra s'il a quelque chose à me proposer. On verra, on verra. Pourrais-tu nous montrer ton setup un jour? Ah, oh, bah, je l'ai montré plein de fois, donc oui, avec grand plaisir. Tout, ton avis sur les combats Pokémon Go, j'ai rien compris. Bon, faut appuyer sur le bouton, essayer d'esquiver sur le côté, mais ça marche pas très très bien. Bon, voilà. C'est combien l'abonnement par mois? Ah non, ça j'ai déjà lu. Tu mets Crane dans ton message et ça fait un highlight. Exactement, envoie un mail à Nintendo France pour leur demander de te sponsoriser pour Pokémon. Nintendo font quasiment aucune OPSP, aucun sponsoring. Donc ils le font pas pour des gros youtubeurs. Donc jamais ils le font. T'es beaucoup trop honnête, Crane, c'est beau. Je veux juste pas tenter la chance. Je me considère pas forcément chanceux sur plein de trucs. Je veux pas tenter la chance. Oui, la SARL, c'est que je... Non, je paye pas de taxes si je fais aucun bénéfice. Enfin, faut quand même faire un minimum. Mais non, ça va. C'est juste... C'est plus cher que d'être en auto-entrepreneur. Mais c'est quand même bien. Vous avez Skype illimité. Il n'y a pas de partage d'écran sur Skype mobile. Non, il n'y a pas... Mais Skype, non, ça passe par la connexion 4G. Donc, c'est pas illimité. Tu aimes les balais et les balais? Oui. Pourquoi tu fais pas du fake GPS sans prendre d'arène? Parce que c'est pas ce que je veux proposer sur la chaîne. Je veux proposer des vraies balades. Crane ne voudra sûrement pas le faire, je le connais, c'est ça. Ah non, c'était quoi? Crane, tu avais checké les liens que je t'ai envoyés hier soir pour les pockets Wi-Fi limités à moins de 200 euros par mois. Oui, mais c'est du Wi-Fi, je comprends pas.
Je comprends pas du tout, Nitro Spadassin, c'est du pocket Wi-Fi, c'est pas du 4G, donc je comprends pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Oui, je l'ai lancé, Pokémon TCG. Hop, il est là. Voilà. Ah mince, ça bug. Ah, on est bien. Quand ça fait ça, c'est bien. Alors, il faut faire ça, 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 ça. Il faut le mettre tout en bas. Et une fois qu'il disparaît, on vire celui du dessus. Ça réapparaît. Le subgoal est pas mis à jour. Hop, on est à 736. Hop, hop. Voilà. Tu as bien raison, Kain, de ne pas tenter la chance. Mon père a eu un contrôle et ça l'a déprimé. Bah oui. Non, mais moi, je fais aucun resto sur le comment ça s'appelle, en disant que c'est un repas d'entreprise. Moi, je suis un gentil petit soldat. Je suis sorti de mon bureau. Ma porte est débloquée. Merci pour la compagnie du stream, nous dit Derion. GG à toi. Salut, Gramax. Je t'ai découvert grâce à Aventure. Et bah, ça valait le coup, rien que pour ça. Merci beaucoup, Witchell. Salut, Dark Ellie. Thé ce soir. Non, ça fait longtemps que je fais plus de thé, quoi. C'est la tristesse. Crane, l'avantage de la SARL, c'est que le CA maxé est largement supérieur à celui d'auto-entrepreneur qui a juste un statut bâtard pour réaliser les minima sociaux. Et oui, c'est assez vrai, c'est assez vrai. Puis je récupère la TVA. Bon, je la paye aussi. Du coup, le forfait de Maudit est mort aussi. Et oui, surtout que le fait que GPS sur Twitch, Crane, c'est anti-CGU, gros risque de perdre ma ban. La chaîne à terme, lol, c'est pas super rentable. Mais oui. Crane, penses-tu faire un test de Black Desert Online? Oh, j'ai déjà fait une vidéo dessus, j'y ai un peu joué genre deux fois en stream, ça m'a pas convaincu. Tu penses que Pokémon Go va sortir quand en France? Aucune idée. C'est noté, Crane, on te fera livrer 35 balais pour le 29 août. Ça a l'air bien. Du Pocket Wi-Fi, c'est Minibox qui passe via la 4G, Crane. Mais c'est la 4G de chez qui, Crane? Ils appellent ça Pocket Wi-Fi, mais ça utilise bien de la 4G. Tous les étrangers utilisent ça pour aller en vacances au Japon. Et là, tu peux avoir pareil pour la France et ça marche du tonnerre et c'est en illimité. Mais il passe sur quel réseau? C'est ça, si ça passe sur un réseau comme le réseau Free, non, ça marchera pas. Ça marchera pas.